Voilà, d'avoir des questions autour de moi. Donc s'il y a encore d'autres personnes qui voudraient se joindre à nous. Je vais les changer. Il y en a bien d'autres qui sont là. Ah oui, ok. Ah non, c'est pas vrai. Parce qu'ils sont tout cœur. Ils sont 9. Là, ça va. Je les ai achetés 9 ans, donc... C'est toute une histoire de cochon et ça me fait du bien. Comme vous voyez, les images derrière sont des images de cochon. Le texte que je vais vous lire, vous allez le voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Des cochons. Cochon le soir, cochon le matin. On leur coupait la queue aux cochons. On les stérilisait. C'était cochons les cochons. Le matin les cochons, cochons à midi, cochons le soir. Fallait qu'ils mangent 3 fois par jour. Fallait les nettoyer, astiquer, rincer. Mon père a des cochons, ma mère les nourrit et il les abat. Il les élève pour que nous puissions manger. On vivait des cochons. Des cochons dans le jardin, des cochons dans la grange, des gros, des petits, des truies et des cochonnets. Des cochons sans sexe. Le sexe coupé. Des cochons coupés. Stérilisés pour que la viande ne pue pas le cochon. Ils valaient de l'argent, ces cochons. Tous les midis, écouter les prix des cochons à la radio. Se taire pour les entendre. Les prix des jambons, les prix des côtelettes, le prix de kilo à l'abattoir. 2 fois par an, un cochon en revenait. Du lard, du sang, de la viande, trié, empaqueté. Le mettre dans un grand frigo blanc pour pouvoir le manger plus tard. Partout, toujours des cochons. Des cochons, des cochons, des cochons. Enfreindre la loi pour les cochons, pour qu'ils soient encore plus gros. Aller en Belgique pour les cochons. Là-bas, les hormones étaient en vente libre. Faire de la contrebande pour les cochons. J'ai haïssé les cochons. J'avais peur de puer les cochons. Leurs cris me fendaient les oreilles. On les frappait, on les mettait à 12 dans 6 mètres carrés. Je ne voulais pas aller les voir. J'avais honte de ces cochons. Notre nourriture, notre vie, cochon, cochon. Partout et toujours des cochons. Et encore des cochons, même aujourd'hui encore les cochons. C'est à cause d'eux, à cause de la fine poussière dans leurs étables que mon père n'arrivait plus à respirer. Sentir comme les cochons. Porter l'odeur du gagne-pain de ton père. Manger des cochons, manger comme les cochons. Être entouré d'eux, prendre soin d'eux. Exister partout, toujours des cochons. Des cochons dans tes vêtements, dans tes cheveux, dans ton nez, sur ta peau, dans tes oreilles. Insupportables les cris stridents, les hurlements quand ils sont amenés vers le camion. Un pistolet électrique pour les presser, les pousser. Oh, eux qui ne veulent pas, qui n'ont pas encore vécu. Pauvres cochons. Cochon pour les cochons. On leur mettait du goudron sur leur queue, sinon ils se les mangeaient. Sinon, ils se les mangeaient. Sinon, ils se les mangeaient. Toujours ces maudits cochons, toujours partout ces cochons. Des cochons, des cochons, des cochons. Cochons le soir, cochons le matin, on leur coupait la queue aux cochons. On les stérilisait. Le matin des cochons, cochons à midi,
cochon le soir. Fallait qu'il mange 3 fois par jour, fallait les nettoyer, astiquer, rincer. On vivait des cochons dans le jardin, des cochons dans la grange, des gros, des petits, des truies, des cochons sans sexe, le sexe coupé, des cochons stérilisés pour que la viande ne puisse pas le cochon. Tous les midis, écouter les prix à la radio, de se taire pour les enfants, pour les prix des jambons, le prix au bout du kilo de la lavatoire. 2 fois par an, cochon en revenait. Du lard, du sang, de la viande filée en partait, même dans un grand frigo blanc pour pouvoir le manger. Insupportable les crispidons, les hurlements qui sont indéfectibles. Un pistolet électrique pour les presser, les pousser, eux qui ne veulent pas, qui n'ont pas encore des doutes. Autre cause, c'est des causes.